Test. Est-ce qu'on vient de m'entendre? Est-ce qu'on m'entend bien là? Je vois le truc bouger. Normalement, oui. En fait, oula, ça a l'air de beaucoup saturer du son. Non, c'est bien le cas. Bon, là, je la cache un peu. Ça vient de voler. Je vais te la montrer de plus près. Je remets le casque comme ça, je peux mieux te parler plus facilement. Salut, 11e Time Lord, ça va bien? Alors, le chapeau et ça ne font pas partie de la peluche de base, c'est juste moi qui ai rajouté ça. Et voilà, c'est ma peluche évolue. Tu ne parles toujours pas? Non. Du coup. Oui, j'aime beaucoup cette peluche. Hop là. Allez, maintenant dans le décor des... Ah oui, Lady, c'est vrai, pardon. Je pensais à 11e Time Lord, je sais pas pourquoi. Voilà, maintenant, évoluer dans le décor des manga shorts. En parlant de manga shorts, je fais ma pub. Je suis sur mon compte Twitch, j'ai le droit. J'ai sorti aujourd'hui mon manga short sur Harmony. Le titre complet, normalement, c'est plus... ça non c'est dans le sens, pardon, que je dois le faire pour vous. C'est comme si... non, c'est normalement Harmony avec un plus petit que et un plus grand endroit avec un slash, sauf que YouTube veut pas que j'utilise les signes plus petit que et plus grand que, je sais pas pourquoi. Bref, j'ai sorti aujourd'hui et vous pouvez le regarder après le stream si vous avez envie. Et aussi, j'en profite, je reste en verre d'eau, hein, boire de l'eau c'est important, que j'ai enfin terminé aujourd'hui le montage du prochain Avida Fanboy qui sort dans un mois tout pile. On en est à presque 18 minutes de vidéo. C'est une grosse vidéo, c'était un enfer à la montée et à la tournée. J'ai dû enregistrer 3 fois la vidéo. Pour le montage, c'était chiant comme pas possible. Vraiment, c'était affect. Et du coup, elle est terminée. Du coup, ça sortira tout pile dans un mois, le 4 octobre. Et quelques jours plus tard, sortira le Retro TK. Qui est pour le moment toujours même pas tourné. Je ne sais même pas lequel je vais prendre comme Retro TK comme sujet. Du coup, voilà pour les petites annonces. Bon, j'ai pas terminé mon verre d'eau, mais je propose qu'on passe au mode filmage du jeu. Donc là, on ne voit pas le jeu, c'est normal, hein, rassurez-vous. Et hop là! Alors, je ne me souviens plus trop. Est-ce que j'avais le badge ici? Non, je ne l'avais pas. C'est que je ne l'avais pas encore battu. Oula, ça c'est la mauvaise couche. Hop. Niveau des Pokémon, je ne me souviens plus trop. Ça fait un moment que j'ai pas joué. La dernière fois que j'ai joué au jeu, c'était lors du dernier stream. Du coup, ok. Toi, t'as... Ouais, il a une tech. Donc, je vais essayer d'entraîner encore un peu mes Pokémon. Ça, c'est utile quand même de pouvoir recombattre les dresseurs. Parce que ils ont généralement des Pokémon un peu plus puissants, du coup ça donne plus XP. Alors. Je rebouche ça un petit peu pour qu'on me voie un petit peu mieux.
Ah bah je l'ai one shot, d'accord. J'ai la nostalgie en revoyant les décors. J'aimerais trop y rejouer. Ah bah c'est possible. Soit tu passes par PokéMMO, faut juste une ROM du jeu. Soit tu utilises l'émulateur Desmum, faudra quand même une ROM Pokémon noir ou blanc. Ou soit si t'as encore la cartouche et une DS qui marche, let's go. Alors, je vais peut-être aller allumer la lumière. On ne voit pas trop bien. On ne voit pas trop, pardon. Hop. Hop là. Hades et peut-être la cartouche. J'aimerais surtout acheter Pokémon Noir 2. Je ne l'ai pas encore testé. Comment tu as fait pour avoir ton Pokémon? Alors, Clammy Boud, c'est mon starter. Du coup, lui, je l'ai eu en début de partie, quand on commence. J'explique ici. C'est aussi normalement un starter, mais dans PokéMMO, tu peux le capturer par après. Donc, je l'ai capturé, et les autres, pareil, je les ai capturés, je les ai fait évoluer après. Oui. C'est nice. Ça te permet, outre le fait que tu sois évidemment avec d'autres joueurs comme on peut le voir actuellement, ça apporte des cinématiques, si je me souviens bien, de meilleure qualité. Et également, ça, que je réfléchisse, je dirais qu'il y a autre chose, mais là, comme ça ne me revient plus. Ah oui, voilà, je me souviens. Et il y a des Pokémon comme les Sartors que tu peux recapturer par après dans la voiture. Ouais, c'est génial. C'est pas mon Pokémon préféré, mais je dirais qu'il est top 3. Avec Pokémon Ruby et Bouclier. Le one shot. Pour les 22 PV. Non, mince. J'aurais dû faire surf. Du coup, on remet un Majas Freak. Je pense. Oui, j'ai eu plusieurs Bouclier X. Je ne sais même plus comment. Mais pas en trichant, vu qu'ici, là, c'est pas. Vu que là, c'est pas possible de tricher. Alors, je sais pas comment on fait. Je crois qu'on t'en donne plusieurs durant cette version de l'aventure. Ça fait tellement longtemps que j'ai commencé l'aventure et tellement longtemps que j'ai pu jouer la dernière fois, c'était la dernière fois que j'ai stream le jeu et ça remonte à bien en plus d'un mois. Je crois que j'ai pas joué une fois de tout le mois d'octobre. Octobre, qu'est-ce que je raconte? De tout le mois d'août. J'ai mis l'image à ce truc en premier, mais vu que je veux faire le combat double, ça sert à rien en fait. Vu que de toute façon il est dans le combat et qu'il ira le seul.
Bon, ça va toucher dans un speak, mais c'est absolument pas très efficace. À reposer, ça va faire mal. Voilà, vantardise. Yes! Voilà, l'attaque sur Farfall servait à rien en fait. À part faire des dégâts gratuits à Malasfric. C'est vrai qu'il y a le risque. Après, l'avantage, c'est que je fais une attaque, d'attaque spéciale. Du coup, bah, les dégâts seront pas trop énormes. Et en plus, je suis plus confus, donc j'ai plus la peur. Ah, ok, je comprends. J'étais en mode, mais impudent, ça s'active seulement quand on a un Pokémon KO, mais voilà ce qui est tombé KO, donc. Du coup, on va mettre Flamethrower. Ça n'a même pas mis back avec KO. Bon bah là je le mets KO, je le mettais KO. Boum, KO. Par contre, il n'y a personne qui gagne le niveau encore. J'aimerais bien que Majastric en gagne un peu. Parce que c'est mon Pokémon le plus faible pour le moment. Je vais voir, il nous reste combien d'XP à gagner. Ok, c'est ça, il nous reste plus. Donc d'ici genre le prochain combat ou quoi, ça devrait le faire. Il fait aval, il a pas fait les attaques utiles avant pour faire aval. À moins qu'il voulait manger ma gastrique. Ah, ça va piquer. Ah non, ça va. En vrai, ça va. Ouais. En vrai, je vais continuer à faire l'attaque du gotage comme ça, c'est sûr de faire des attaques efficaces quand même. Parce que bon, méga sensu, c'est pas trop efficace. Il manque une centaine XP et il évolue, qu'est-ce que je raconte? Et il va passer le cœur en deux. Mesmer est là. Mais est-ce qu'elle est là? Ou peut-être qu'elle mange une cala.
too much question. Je pense, oui. Je sais que sur Pokémon, il y a, pour sûr, parce que j'ai dû vérifier la ROM tout à l'heure, je suis sûr qu'il y a Pokémon noir et blanc, rouge, vert, feuille, Earth Gold, Soul Silver. J'ai un doute sur noir et blanc 2. Je pense qu'ils y sont. Mais je ne préfère pas m'avancer, trop m'avancer. Pour pas te faire de faux désespoir. Mais s'il y est, bah, je le ferai. Ah, ça va piquer ça. Ah, ça va. Let's go niveau 42. Et au Flamoutard niveau 44. Et une Super Ball. Pokémémo, oui. Sauf erreur de ma part. Mais ça, c'est pas trop demandant en ressources. Parce que là, littéralement, je sors en 720p en stream. J'ai aucun problème de lag ou de problème. Je vais recharger ça. Il envoie encore quoi comme Pokémon? Bon, on va faire la bonne vieille strat Google. Alors, hop, Pokémon blanc. Ça n'est rien ici. On va regarder sur Pokébip. Ça va se remettre. Alors, le champion, dis-moi tout. Ok, à A6H, à Dracarma et à Tranchondo. Je pense qu'il commence par A. Je crois qu'il commence par A6H. Du coup, on va pour histoire de préserver Clamiral parce que je pense que il est plutôt bon. Je vais utiliser d'abord Majasfric. Si il veut bien se mettre, allez, voilà. Oh, mais qu'est-ce que... Ah, ça c'était pas voulu par contre. Je me souvenais qu'il y avait un bug ici, mais là c'est parce que je regardais pas l'écran, je regardais le chat et j'ai cliqué trop tôt sur le haut. J'ai le nez qui me gratte, maudites allergies, je crois. Je crois que ça fait 3 streams de suite que je tente de battre la championne de type dragon. Ah, je ne peux pas passer. J'aurais essayé.
C'est vrai que c'est cool les bugs. Enfin, tant que ça, c'est pas un bug qui te bloque, qui t'empêche de jouer ou qui recommence te faire commencer ta partie. C'est vrai que c'est plutôt fun. Il y a Missing No, le plus connu. Mais après, est-ce qu'il est de base dans Pokémon noir et blanc? Je ne sais pas. Même sur la version originelle, hein, pas forcément sur Pokémon Go. Mais dans la première génération, il y avait Missing No. Qui est, je crois, le Pokémon Bug le plus connu. Mais sinon, je ne crois pas qu'il y ait d'autres Pokémon au bug à part Missing No. En même temps, Missing No, pour expliquer très vite fait et de manière ultra simplifiée, le premier jeu Pokémon, donc moi. Ah, il y a un autre jeu Pokémon bug, je crois. Je suis plus sûr, je vais pas lancer. Du coup, Missing No, en fait, c'est parce que dans le premier jeu Pokémon, sur une cartouche, t'as une certaine limitation de nombre, je crois que c'est du 156 dans la première version, quelque chose comme ça. Et le truc, c'est qu'en prenant tous les Pokémon du premier Pokédex, donc les 151 pour le premier, même en prenant toutes les variations, ça ne remplissait pas les 256 versions. Du coup, y a des trous, il faut bien remplir les trous. Du coup, il y a Missing No, ou dans son nom complet, Missing Number. Nombre marqueur qui a été malencontreusement créé par ça. Salut, c'est moi Iris, le super champion de cette arène. Didi, tu te bats comment? J'ai vraiment envie de savoir. Alors c'est parti. Et le Pokémon bug, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment un bug ou si c'est carrément une modification du jeu, mais je ne sais même plus comment il s'appelle et je crois que c'est juste en fait dans une ROM hack. Donc je vais pas trop en parler parce que je ne sais même pas comment on fait pour avoir celui-là. Brismoule, si le Pokémon adverse, ça ignore les talents adverses. Donc si j'arrête complètement. Le Pokémon adverse a Lévitas, j'imagine que ça marche comme ça. Si le Pokémon adverse a Lévitation, Brismoule annule la Lévitation. Pourquoi ça lance Tranchonon à l'aide? Aïe, plus souvent ça pique. Oh, l'herbe blanche, ça c'est sale, Tranchonon. J'essaie de gratter des points. Enfin, des PV, pardon. Qui je peux envoyer? On va envoyer quand même une. Les attaques, c'est pas très efficace. Du coup, on va faire tranche. Et là, ça devrait piquer un petit peu parce qu'il a perdu en défense. Là, il est KO donc. Peut me permettre de faire ça. En plus, je crois que je monte au niveau 44. Du coup, c'est tout bénef. Yes, l'arme était sûre. Oui,
Vampigrain reste actif tant que 1, le Pokémon qui subit la Vampigrain est toujours sur le terrain et qu'il est toujours en vie. Si tombe KO, ça marche. Là, normalement, que ta lance je peux gratter quelques PV, je suis pas sûr de le mettre KO par contre. Malgré le coup critique, mais c'est pas grave. Bon, il me rend le coup critique, mais c'est pas grave, je lui ai fait assez mal. On va tenter Flamoutin. Parce que tendez, c'est pas le même verbe. J'ai coucou d'efficace. Oh, mais non! Mais il risque enfin! Oh, mais et la clash éclair! Mais c'est de la triche ça! Bon, il me reste un Pokémon. Il me reste Gogolem. Pas plus lourd, quoi. Je crois que... Bah, ça, c'est un KO. Je crois même que Diamant était élevé, donc ça allait. Altaria. Tac plus lourd. Oh les restes, oh là là. Et le atterrissage évidemment. Ah ça fait toujours plaisir de voir ça. Mais il va arrêter de faire atterrissage! Bah, ça te permet de te soigner. Et ça peut être utile en stratégie de regagner la moitié de ta vie. Je suis sûr, je vais tenter save. C'est à ce tour-là qu'il va pas faire atterrissage. Ah non, ça va, il fait atterrissage. Le seul on dirait défaut d'atterrissage, c'est que du coup tu pars en type vol et l'immunité aux attaques seules. Ah, ça fait bien plus mal là. Ah bah il a décidé d'attaquer, j'ai fait ça. Et ça fait un coup critique. Lance-flamme, d'accord. Et le reste, deux Pokémon. Et je suis niveau 46. Est-ce que je peux soigner mes Pokémon? J'ai une guérison. Je vais l'utiliser sur Google M. J'ai deux rappels. Oh l'intimidation. Oh Michel. Et je n'ai pas pu attaquer évidemment. Bon, l'applaudir évidemment. Avec le casque brut en prime. C'est gratuit, ça fait plaisir.
Là, j'essaye de soigner un peu les Pokémon. Bon, il fait Dracoucou, évidemment, encore. C'est faire que ça. Sport Akai. Oh là, la Vendetta, elle va piquer. Ah, ça, ah, elle va piquer. Au moins, là, là j'ai le stab. Et je peux peur de pas me taper la peau dure, le casque brut. Mais je me prends la Vendetta quand même. Il me reste un Pokémon. Aussi bien abattre qu'un Pokémon tout court. Je suis pas sûr que Golem tank, je ne sais pas trop bien. Bon, il a Griffon, moi. Je sens à la fin du combat naze où je démonte tout et après je le perds. Hop, on fait Vendetta. Et ça... Oui! Yes! Je me lève! Yes! Enfin! Yes! Bon, on a complètement vu la marque qu'il y avait sur mon t-shirt. Je ne suis pas sponsorisé par ce qui est mis sur mon t-shirt. Enfin, je l'ai battu. C'est incroyable. Je suis trop contente. Trop contente. La partie la plus forte que j'ai rencontrée. Let's go pour la ligue. Et je reçois le badge Mythe. Tu peux demander ce que tu veux à n'importe quel Pokémon maintenant. Je te donne une suite aussi. Dracoucou. Bah avec Dracoucou, tu fais pas un cafouiller des dégâts, tu renvoies aussi le Pokémon ennemi dans sa petite boule. Lim, ce Goya, il fait quoi pour ma vie? Il se bat contre ce garçon là, haine. Et tu connais avec Pokémon? Elle est juste après la roue du victoire. Il faut d'abord franchir la roue 10. Let's go. Ah bah, la professeure qui était derrière. Hello! Comment ça s'est passé avec Iris? Iris, je sais pas comment on va prononcer. Je suis venu pour te faire part des résultats de ma recherche pour le moyen de faire revenir Zekrom à la vie. Je pensais que tu t'es évoqué pour se parler de très arpé. Pour inutile de tourner autour du pot, on l'a dans l'os. Il faut que le Pokémon reconnaisse par sa nouvelle valeur pour s'éveiller. On va suivre. C'est pas super génial. C'est une info super importante. Ce sera légendaire et là ça te dit d'aller manger une glace, c'est talent ça, tu as les Wii Badge du Nice, quel talent, tu ne t'auras peut-être pas bien compte mais tu as bien changé depuis ton départ à Rangouet. Et puisque tu as fini ton pèlerinage à Zaren, laisse-moi te retourner où il faut aller. Ah non, j'ai passé trop vite, c'était très court. Mais je le savais que c'était par là! Passe cette route pour accéder à la route d'ici, tu arriveras au point de contrôle des badges. Traverse ensuite la route de victoire et tu atteindras enfin la ligne. Je me rappelle la émotion le moment où tu es prêt à tel sort de Pokémon
Rabel. Vous, ça me rajeunit pas. Dis-moi, Kaka, regrettes-tu d'avoir fait ce voyage avec un Pokémon? Pour le croire, je vais répondre non. Mal, je voulais mettre oui. Fiche. J'ai pris la mauvaise réponse. Tu me fais chaud au cœur, mon fou. J'imagine toujours avec le sourire à lèvres, une petite mine épanouie. Et les étoiles dans les yeux quand vous avez dû choisir vos Pokémon. C'est avec la naissance d'une telle amitié entre Pokémon et Pokémon. Ça mérite un cadeau. La Master Ball. Master Ball. Oui, je dis balle et pas boule. Parce que. L'accent français. Permet de capturer à coup sûr n'importe quel Pokémon. Ça te la coupe pas. Elle soit un moyen que j'ai décidé. Quoi qu'elle arrive, le Pokémon sort à tes côtés. Bye bye. Allez, let's go, c'est Tika. Je vous plains plus de vous parler à l'instant. Je vais dans l'entendre sur vos kits. Une terrible tempête sera route 7. Surtout, elle n'a pas l'air bien naturelle de cette étrange. Bon, bah, on continue, hein. Akua. On n'arrête jamais de progresser avec ces Pokémon. Sauf quand ils sont niveau 100. Europa. Ah, je ne sais pas. Bah, en vrai, en mode allez, on continue la route, mais en vrai, je vais aller voir le sapin trop bas. Je vais changer de Pokémon parce que là, le tri fait. Donc il me fait rebond et ça va piquer sur ma Major Streak. Mon nez me gratte énormément. Et c'est chiant. Du coup, hop, on retourne en arrière. D'ailleurs, elle est où la route 7 ça? Donc ça, c'est là-haut. Ok. Ok, c'est après Flocon, donc enfin ça avance. Du coup, je vais faire la technique du prendre mon Pokémon type vol et y aller. Déflaisant, tu es là. Voilà. Utiliser vol là. Ah non, il y a la grotte, c'est vrai. Du coup, on va passer par ce mille avant. Parce que les autres Pokémon sont pas assez forts. À la limite des faisants, je pourrais le laisser parce que les attaques de type vol, mais les autres sont pas assez forts et c'est principalement pour ça. Il est dit tempête, mais il y a rien.
T'imagines que la fonctionnalité n'a pas pu être implémentée pour PokéMMO. Bon bah tant pis. Je pense que c'était pour des légendaires qui Fulguris et tout ça. Du coup, bon, on doit continuer. C'est sûr que là, il y a un objet. Ah, non. Déception. Ah! Je pensais pas qu'il allait me voir de si loin. Ah oui, c'est vrai, j'ai réussi une fois à avoir fou. Je pense que j'ai réussi à la voir. Mais je ne suis pas sûr. L'Empérois. Ah, ça va piquer ça. What? Il m'a presque fait perdre 100 PV. On va se changer de Pokémon, hein. Parce que là, Majasuriki, il va pas tenir, hein. Ah, ça va piquer ça, le giga sensu. Non, ça va. Gogolem doit avoir une bonne défense. Une défense spéciale, je ne sais plus du tout si c'est spécial ou physique, giga sensu. Et j'ai battu Jonah. Re caca. Non, pas un combat. Non. Mes Pokémon sont... j'ai deux Pokémon qui sont pas en bon état. Ah bah, il y a Bianca aussi. Watson et le professeur m'ont dit que tu te dirigeais vers la Ligue. J'ai relativement confiance en Goya. Si jamais pardesse à toi, Kakumra. Bré la tâche de vaincre le leader de la Triposma N. Alors j'ai besoin de savoir, tu as le temps de cette tâche. Alors, je le savais, j'en étais sûr. Mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Voilà, parce que je vais faire en sacerdoche. Du coup on va vérifier si c'est spécial physique. Ah ben c'est spécial. Du coup, Gogolem a une bonne défense spéciale. On va quand même vérifier. Alors ça c'est les EV, on c'est pas ça qu'on veut. Les EV, ça va, je pensais que c'était plus sans, mais ça va. Rip Majasuriki. Ah ça va faire mal ça, ça va faire mal, il est pas forcé. Bon ça va, il me reste Flamiboud et Flamtard. Bah moi j'explique ya. On va mettre Flamtard. Hein. Et le lance-flamme. Ça ne one-shot pas. Par contre, j'ai peur que son talent soit actif là.
Parce que si il me fait une attaque de plante, je vais peut-être être KO là. Non, ça va, je tank. Bon bah là, soit pas Kami ou du coup. Donc bah j'ai ce qui est KO. Aïe. Ah bah je vais perdre. Bon attendez Colombo, hein. On sait jamais hein. Qui aurait dû attaquer. Que je fasse par 3 PV. J'ai cru une seconde qu'il allait tanker. Sur un malentendu. Ah non, on est perdu. Qu'est-ce que je peux acheter des objets? Voilà, j'achetais le nombre de rappels que je pouvais acheter. Je retente une fois le combat et peu importe si je gagne ou si je perds, j'arrêterai le stream juste après. Mais d'abord, évidemment, quoi? Ah bah bonjour. Bon, du coup, il va reparler. Oui, on vote sur que tout ça, c'est à la hauteur. Machin truc bidule, chouette. Ah, tiens, comment ça avec Gigalit. Voilà, j'ai reçu la troisième fois à dire. Ah, bah, nice. Bah, super. Salut. Lui là. Mes créants. Ah bah je suis une critique. Bon je vais enlever la moitié de sa vie. Ou le rapace il va piquer je crois. Ah oui, il fait mal. Ah non. Nine. En tant que Google M, hein, on sait jamais, un malentendu. Normalement, tant qu'il a une très il a une force en béton. Genre, mais d'où? Mais d'où? Je sais qu'il était mort. Là, les fiches tout. Ah, il a peut-être laser glace tout le temps, je sais pas. Ah, je suis plus rapide. J'ai peut-être one shot. Même pas, mais genre. PV. Bon, si t'envoies Gigalit, je vais pouvoir me refaire ma vie. Vous de lâche. Bon, j'ai quand même Flame Tard. Aïe, aïe, c'est à ça. Franchement, là, c'est à ça, le one shot.
Yes, niveau 43. Et niveau 45, yes. Bon, je sais très bien que Flamethrower est mort, donc autant essayer de gratter un peu. Et là, normalement, je suis pas rapide. Du coup, je peux faire méga sensu. Et regagner beaucoup de vie, vu que c'est super efficace. Et que j'ai talent actif. Et en plus, le stab. Donc là, mais what? Je me suis fait démolir. Allez. Ah, la pense au max. Bon, c'est pas grave. Ça me refait gagner de la vie. Je peux regratter bien de la vie là. Mais Mathieu, les dégâts que ça me fait! Mais regardez! J'ai jeté dans le verre presque full PV et je suis tombé à 53 PV! Voilà, je gagne genre 3 PV. Mais au moins j'ai mis KO! Ah bah même pas 3 PV, 2. Oh, le demi-tour, oh, ça c'est sale. Oh, c'est sale, Saint-Michel. Et je parle pas de la danse pour une fois. Même si je parle pas beaucoup de salsa habituellement. Eh bien, merci à toi d'être passé, Rai, à la prochaine. Et bonne soirée à toi. J'aurais 21 PV au secours. J'ai eu peur quand j'ai vu le coup critique, je me suis dit ah je vais à toi une chaîne maintenant. Merci pour tout, tu es vraiment incroyable. Et j'ai pas eu le temps de finir de lire là! C'est incroyable, je le pense sincèrement. Laisse-moi saluer ton Pokémon, ton équipe, yes! Il est certain que maintenant je ne m'attarde pas à la cheville. Mais si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider dans ton dernier combat, dans aucun cas, je pourrais faire d'autres, alors va prendre c'est pour toi. Le rappel max, ah ça peut être utile. C'est bizarre, hein? On était séparés là. Mais non, mais réveille-toi un moment, tu. Sheran, il faut savoir rigoler, hein? C'est pas avec ta tête d'enterrement que ça va changer quelque chose. Depuis qu'on a rencontré des Pokémon, on est tous partis au voyage. Et il s'est passé plein de trucs. On a tous changé, différemment. Vouloir et pouvoir, c'est pas pareil, hein? Ce voyage, il m'a appris quelque chose. Alors je suis bien contente. Ah? C'est vrai que nous avons des talents différents. Et il sera bon de pouvoir les mettre à profit. Chacun a son idéal ou sa réalité. Le plus important reste de s'entraider. Car c'est naturel. Les Pokémon doivent rester aux côtés des Pokémon. On a la conviction maintenant, quelqu'un. S'il devait vous arriver quelque chose à toi ou à Luya, je veux pouvoir vous venir en aide. Je vais aller m'entraîner encore. En attendant, ne fais pas de bêtises. Il est parti. Mais non, il est encore là. Ah si, je veux aider. Je pense que... Mince,
faut pas dire quelque chose d'intelligent. Bon courage. Elle va s'arrêter. Ah bah elle a disparu. Du coup, on va juste se mettre devant le monsieur. Ah! J'ai vu de nombreux dresseurs et toi tu dégages un même oracle le plus doux que j'ai connu. Bon bah on fait ce dernier combat et après on s'arrêtera là. On fera un petit mot de la fin et après. Après voilà. On voit du coup la Unitex qui ne sert plus à rien. Ah bah oui, je suis en voie là, je peux pas le faire. Pour la griffe. Je le gère. Et le one shot. Let's go. Et j'avais raison. Et oui. Et oui, Billy. Alors. On se met juste ici. Hop. Je quitte. Je vais mettre une petite musique de fond. Je vais me remettre en mode discussion du coup. Alors, on va mettre un peu de Mario, tiens. On va mettre celle-là. Non. Non, pas celle-là. Elle passe ici. Je sais exactement celle-là. Voilà. Du coup, bah... Merci d'avoir vu ce stream jusqu'au... J'ai quand même un peu mieux mettre. Hein. Bah merci à tous ceux qui sont passés pour off-stream, qui ont parlé. Alors là, je l'annonce en stream parce que tout le monde n'est pas sur la VOD, enfin sur le Discord. Je vais faire. Je n'aurai qu'un stream d'assuré par mois. Ça ne veut pas dire qu'il y aura que un stream par mois, forcément, mais c'est. Vous avez un stream sûr et après, bah. C'est plus random. Si j'ai envie de faire un stream, ouais, j'en ferai un. Si j'ai pas envie d'en faire, j'en ferai pas. Et juste le premier stream du mois, celui qui a eu lieu aujourd'hui, donc le premier samedi du mois de septembre, où j'en fais un. Et là, c'est le seul stream, on va dire, de certains. Et du coup, voilà. Eh bien, merci. Osiam Time Lady. Je me suis pas trompé par rapport au début du stream. Merci à toi d'être passé. Merci aux autres, que ce soit par la VOD Twitch, par la VOD YouTube, ou sur ce stream qui n'ont pas voulu parler. Du coup, bah, salut tout le monde, salut à quelqu'un, bonsoir.